Bon matin, ma vie, ma jolie. Joyeux anniversaire, petite boule. Merci, papa. Je sais que c'est mon anniversaire. J'ai tout prévu, on va s'amuser. Wouhou! Mais avant, on va aller attraper quelques petits scorpions tous les deux. Rien que nous deux, d'accord? Papa, maintenant, laisse-moi parler et laisse-moi aller jusqu'au bout. Tu veux aller voir le monde dehors? C'est d'accord. Ha ha! J'étais sûre que t'allais dire ça. Mais papa, tu m'as donné ta parole et tu sais que je sais que la parole d'un Dracula est sacrée, que la confiance est au cœur de notre... Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit c'est d'accord. Là, tu te moques de moi. Non, 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 tu as l'âge de conduire un corbillard, alors tu as l'âge de faire tes propres choix. Va voir le monde. Alors c'est vrai? Loin d'une plate! Arrête une seconde, chauve-souricette. Où est-ce que tu t'en vas? Oh, eh bien, je m'en vais au paradis. Et ça, c'est des petites choses dont j'aurais besoin. Au paradis? Oui, tu sais, c'est cet endroit où toi et maman vous vous êtes rencontrés. Tante Wanda dit que tous les deux, vous étiez genre zing. J'ignore ce que c'est que zing. Où est-ce que tu as trouvé cette carte? Dans un de tes tiroirs. Pourquoi tu ne me dis pas comment vous vous êtes rencontrés? En fait, c'est Hawaï. Hawa quoi? Écoute, chérie, je sais que tu es enthousiaste, mais tous nos invités ont fait une longue route pour assister à ta fête d'anniversaire. Je sais, ils le font toujours, mais tu trouves pas que je suis un peu trop vieille pour ce genre de fête? Je les adore, mais je veux vraiment voir de nouvelles choses, et même rencontrer des gens de mon âge. Je t'en prie. Non, ne fais pas ça. Ne me fais pas ton air de petite chauve-souris piteuse. D'accord, il y a un village d'humains, il est juste à côté, dépasser le cimetière. Tu y vas tout de suite et tu seras de retour dans 30 minutes environ. Ça devrait être amplement suffisant comme première sortie. Oui, bon, c'est pas Hawaï, ouais, mais je crois qu'on peut dire que c'est quand même dehors. Ouais, ok. Merci d'avoir confiance en moi. Mais bien sûr, ma toute jolie. Je t'ai donné ma parole. Salut tout le monde. Hâte à demain, hein, mon chou. Pas autant que j'ai hâte, là, maintenant. Vous n'allez pas le croire. Mais papa m'a donné la permission d'aller voir seuls les humains dans un village. Faites-moi une place, Drac. T'as perdu la tête. Laissez ta propre fillette aller voir ces horribles humains dont tu nous parles toujours. C'est pour ça que t'as construit ce manoir. Ils nous détestent. Ils sont cruels. Ils sont trop bruyants. Tantenis, peut-être qu'ils ont changé. Je vais juste aller dans les rues voir de quoi ils retournent.